Seigneur vient nous lire 1 Samuel chapitre 2. Someone read for us 1 Samuel chapter 2. À partir du verset 27. Starting from verse 27. Jusqu'au verset 33. To verse 33. 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 33. Non, juste, tu lis jusqu'au verset 36. Verse 36. 27 à 36. 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 36. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison? Écoutez comment Dieu maudit Élie et sa famille. Listen to how God cursed Eli and his family. Vas-y. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours dans mon ouin. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Amen. Vous voyez? You see? C'est Dieu qui a maudit. It is God himself who curses. Ça ne touche pas un seul individu. It doesn't just touch one individual. Ça couvre toute la famille. It covers the entire family. Ceux qui sont vivants. Those who are alive. Et ceux qui ne sont pas encore nés. And those who are not yet born. Il n'y aura plus de vieillards. There will be no old age in your family. Ils vont mourir pendant qu'ils sont encore jeunes. They will die in the prime of life. Ceux qui vont subsister. And those who are going to remain. Vont manger le pain. They will beg for bread. Ils ne sont pas encore nés. They are not yet born. Ils sont déjà maudits par qui? Dieu lui-même. They are already cursed by who? God himself. Quand les choses se passent de cette manière. When things happen this way. Personne ne peut te délivrer. No one can deliver you. No one. C'est Dieu seul. It is God alone. Qui peut délivrer. Who can deliver. Il demande. And he asks. Dit Ézéchiel.
Ézéchiel 23, verset 30 et 31. 23, verse 30 and 31. Ézéchiel 23, versets 30 et 31. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé. Ézéchiel 23, versets 30 et 31. Oui, ou bien lis 22. Read chapter 22. Que je vérifie. C'est le 22. Chapter 22, verse 30 to 31. Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 et 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ézéchiel 22, 30 and 31. I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Dieu dit, il cherche un intercesseur. God says he is seeking for an intercessor. Et le sujet de prière de cet intercesseur. Prayer topic of that intercessor. Oh Dieu. Is oh Lord. Pardon. Forgive. Ne détruis pas. Do not destroy. Pardon. Forgive. Ne détruis pas. Don't destroy. Tu dis à Dieu, you tell God, regarde la pauvreté. Look at the poverty. Quand il y a un problème dans la famille, when there is a problem in the family, cotiser. They say, let's look for money. Après un mois, after 1 month, on a 100 000. We have 100,000. Pauvre, pauvre, pauvre. Poor, poor. Dieu regarde les maladies incurables. You say, oh Lord, look at incurable diseases. Pardonne notre orgueil, pardonne notre ivrognerie, pardonne notre idolâtrie, pardonne tous les péchés qui t'ont amené à frapper. Forgive our pride, forgive our idolatry, forgive all the sins which led you to strike. Pardonne tous les péchés qui t'ont amené à nous livrer aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Forgive all the sins which led you to hand us over to spirit husband and spirit wife. Pardon tous les péchés qui t'ont amené à nous livrer entre les mains des enchanteurs. Forgive all the sins which led you to hand us over in the hands of sorcerers and medium seers. Pardon tous les péchés qui t'ont amené à nous livrer aux esprits de mort. Forgive all the sins which led you to hand us over to the spirit of death. Pardon tous les péchés qui t'ont amené à nous livrer à la pauvreté. Forgive all the sins which led you to hand us over to poverty, to the spirit of poverty. Regarde comment nous souffrons. Look at the way we are suffering. Crie à Dieu. You cry out to God. Tu joues le rôle d'un vrai intercesseur. You play the role of a true intercessor. Tu plaides.
and you plead. J'invoque le Dieu de compassion. And you call upon the God of mercy. J'invoque le Dieu de miséricorde. You call upon the Lord of compassion. Tu lui dis, c'est toi qui peux nous aider. You say you are the one who can help us. Et c'est contre toi que nous avons péché. And it's against you that we have sinned. Nous avons acheté les idoles. We have bought idols. Les idoles ne nous ont rien donné. And they have given us nothing. Nous sommes devenus pauvres. We have become poor. Les idoles ont tout enlevé. Idols have taken everything. Ils ont volé les brebis, volé les bœufs, volé les poulets, volé les récoltes. Et ils ont même commencé à voler les êtres humains. They have stolen their cattle, stolen their harvest, and they have started stealing human beings. Les pères vendent les enfants à la sorcellerie. Fathers, they sell their children into witchcraft. Pour devenir riche. In order to become rich. Et personne n'est devenu riche. And no one has become rich. Dis à Dieu. And you tell God. Regarde. Look, pour certains, il n'y a même pas de route pour aller chez eux. Il n'y a pas de route. For some, there are no roads that lead to their house. Les trous qui sont sur la voie sont tels que aucune voiture ne peut essayer de passer. The holes that are on the road is such a way that no car can even pass. Dieu regarde les conditions dans lesquelles nous vivons. You tell God, look at the conditions in which we live. À cause de nos péchés. Because of our sins. Regarde. Look. Aie pitié de nous. Have mercy upon us. Aie pitié de nous. Have mercy upon us. Tenons-nous debout. Let's stand up. Dieu va nous exaucer. God will answer us. Dieu va nous exaucer. God will answer us. Say, oh Père. Say, oh Father. Tu es le Dieu qui exauce les prières. You are the God who answers prayers. Tu es le Dieu qui exauce les prières. You are the God who answers prayers. Quand Israël était en Égypte. When Israel was in Egypt. Le peuple a crié. The people cried out. Et ces cris sont montés jusqu'à toi. And their cry went up. To you. Tu es descendu pour les délivrer. And you came down to deliver them. Un Dieu compatissant. You are a God full of mercy. Un Dieu miséricordieux. You are a God full of compassion. Un Dieu de toute bonté. You are a God of all goodness. Oh pardon, oh pardon. Oh forgive, forgive. Et enlève toute forme de malédiction au-dessus de nous. And remove every form of curse on us. Concentre-toi maintenant en prière comme un sacrificateur et prie. Focus and pray like a high priest. Pray. Oh Père, say, oh Father, tes jugements sont vrais et justes. Your judgment is true and correct. Nous méritons le salaire de nos crimes. We deserve the wage of et our crime. Nous implorons ta miséricorde. But we are calling upon your tu mercy. Tu es un Dieu qui pardonne. You are a God who forgives. Tu es un Dieu compatissant. You are a God who is full of compassion. Tu es un Dieu lent à la colère. You are a God slow tu es un Dieu to riche anger. En bonté. You are a God who is rich pardonne. In mercy. Forgive. Et relève la face de chacun. And lift up the roule face of each one. Take away et loin the de nous reproach. Ces maladies graves. Take away this serious sickness. Et loin de nous toutes ces malédictions. Take away from us all these curses. Oh, fais-nous vivre, fais-nous vivre. Oh, make us live, make fais-nous us voir live. Ta faveur, fais-nous voir ta faveur. Show us your favor, fais-nous your voir favor. Ta faveur, fais-nous voir ta faveur. Show us your favor, your favor. Fais-nous toucher tes compassions, fais-nous toucher tes compassions. Make us touch your compassions. Continue à intercéder. Keep interceding. Continue à intercéder. Keep interceding. Continue à intercéder. Keep interceding. Amène Dieu à changer de décision. Bring God to change his decision. Amène Dieu à rouler le probe. Bring God to roll the reproach. Amène Dieu à éloigner la honte, éloigner de nous la honte. Bring God to
remove from us shame. Amen. Dieu a éliminé toutes ces maladies. Invite God to eliminate all these sicknesses. Kota rabaka sakaraba kota karaba sakabaka kota karaba sakaraba kasakaba urabaka sakaraba kasakaba kasaka urabaka sakaraba kasakabaka urabaka sakaraba ka urabaka sakaraba ka urabaka sakaraba ka urabaka sakaraba ka urabaka saka. Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Say, oh Lord, without you, we are nothing. Sans toi, nous ne sommes rien. Without you, we are sans nothing. Sans toi, nous ne sommes rien. Without you, we are c'est nothing. C'est auprès de toi que nous avons la vie. It is when we are with you that we c'est have life. C'est auprès de toi que nous avons la vie. Beside you, we have life. Mais la folie. But foolishness. De nos cœurs. Of our hearts. Nous a éloignés de toi. Has taken us far from you. Pardon, 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 forgive, pardon. Forgive. Pardon, 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 pardon. Forgive. Prions en langue. Let's pray in tongues. Urabaka sagarabaka. Prie en langue, prie en langue. Pray in tongues. Urabaka sagarabaka sakarabaka utakarabaka seka. Urabaka sekarabaka seka. Urabaka sekarabaka seka. Urabaka sekarabaka seka. Urabaka sekarabaka seka. Urabaka 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 seka. Assieds-toi, tu continues à plaider. Please sit down and keep pleading. Assieds-toi, tu continues à plaider. Sit down and keep pleading. Urabaka zarabaka gobaka zarabaka gobaka zarabaka gobaka zarabaka. Urabaka 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 zarabaka gobaka zarabaka. Urabaka zarabaka gobaka zarabaka. Gardez le calme. Keep calm. Va-t'en vite. Be gone quickly. Ne reviens plus. I'll never come back. Attends vite. Be gone quickly. Attends vite. Be gone quickly. Attends vite. Be gone quickly. Va-t'en, vite, vite. Be gone quickly. Le calme. Keep calm. Intercéder pour la famille est une tâche difficile.
To intercede for the family is a difficult task. Le frère a dit qu'il priait pour sa famille. Brother Zach said that he was praying for his family. Il priait et priait et Dieu écrivait leurs noms. He was praying and God was writing down their names. Et il arrive au niveau de son grand frère. And he got to the level of his elder brother. Il a prié, 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 Dieu a dit non. He prayed and prayed and prayed and God said no. Il a prié, 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 Dieu a dit non. He prayed, prayed, prayed and God said no. Il a prié, 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 Dieu a dit non. He prayed, 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 God said no. Après, finalement, Dieu a écrit son nom dernier en bas de page. Then finally, au bas de la page. God wrote his name down at the end of the page. Donc, la persévérance. So, perseverance. Sens dans ton esprit. If you feel in your spirit que Dieu résiste, that God is resisting, il ne veut pas vous donner ce que tu demandes. He doesn't want to give you what you're asking for. Faut insister. You have to insist. Faut implorer la grâce. You have to plead for grace. Il faut rappeler les alliances. You have to recall his covenant. Il dit de penser au sang de Jésus. You have to tell him to think about the blood of Jesus. Il dit de penser à sa parole. You have to tell him to think about this word. Lui qui a dit qu'il cherche un intercesseur. He said that he is looking for an intercessor. Il dit, Seigneur, je suis un intercesseur. You say, Lord, I am an intercessor. Exauce-moi. Answer me. Exauce-moi. Answer me. Garde le calme. Keep calm. Dieu ne permet plus que mari de nuit résiste. Tell God, please, do not allow a spirit husband to resist. Délivre-nous de ses oppressions. Deliver us from his oppressions. Merci Seigneur. Say acclamation thank you, à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Offre d'acclamation avec clap offering des actions de grâce with thanksgiving et des cris de victoire. And shout of victory. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Le combat. The battle. Le combat est déjà avancé. Nous sommes au niveau de petites résistances. The battle is advanced. We are at the level of little resistance. On est arrivé au niveau où tu dois prendre ton héritage. We have gotten to the level whereby you have to take back your heritage. Entrer dans ta cité. Get into your city. Écris ton nom. And write your name. Que le diable n'a jamais voulu. What the devil has never wanted.
Le pasteur, tu restes petit pasteur. You are a pastor, you remain a little pastor. Au campement. In the village. Tu n'arriveras jamais à Abidjan. And the devil says you will never get to Abidjan in the village. Tu te nourris d'une yam sauvage. You eat yam. Why the yam? Entrer dans la city. You are going to get in the city. Nous sommes ensemble. Are we together? La prière consiste à détruire tout ce qui peut te retenir loin des desseins de Dieu. The prayer consists in destroying everything that can withhold you out of the blessings, out of the purposes of God. Et pour nous, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 11. Read for us Acts of the Apostles, chapter 12, verse 1 to 11. Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Acts chapter 12, from verse 1 to verse 11. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intended to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that he pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the Feast of Unleavened Bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to the guards by 4 squads and 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.
The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals," and Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clefts and from everything the Jewish people were anticipating." Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nous allons prier d'un commun accord. We are going to agree in prayers. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Il est possible que tout le monde ne soit pas concerné par certains sujets. It is possible that everybody is not concerned by some subject. Que les délivrances opèrent selon les expériences, selon le chemin parcouru. And that deliverance can be operated through according to experiences or what you've experienced. D'autres, selon tes adversaires. Or for some, according to your adversaries. Il y a des gens qui n'ont jamais combattu contre Goliath. There are some people who have never fought against Goliath. David, lui, il en sait quelque chose. But David knows something about it. Quand on donne un sujet, when we give a prayer topic, prie d'abord comme s'il s'agissait de toi et de toi seul. You pray first of all as if it concerns you and you alone. Écoutez les témoignages. You've listened to testimonies. Un enfant dit qu'il était envoûté dans une tombe, couché sur le corps de sa grand-mère qui est déjà décédée, mais l'enfant est toujours vivant. L'enfant est encore dans ce monde. A child who was bewitched and was found on the body of his grandmother who has died and the child is still alive. Ça, c'est des envoûtements. On peut garder ton âme en captivité. This is bewitchment. They can keep your soul in captivity. Tu vas vivre des phénomènes inexplicables. And you will live unexplicable phenomena. Donc nous allons invoquer le Seigneur ce soir. So we are going to call upon the Lord tonight. Qu'il descende. So that he will come down. Il frappe. And strike. Là où il faut frapper. Where he needs to strike. Là où le diable croyait que nous ne pouvons pas arriver. Where the devil thought that we could not reach there. Oubliant que il ne s'agissait pas de nous. Forgetting that it was not all about us. Parce que Jésus est là. Because Jesus is present. Alléluia. Praise the Lord. Pierre est jeté en prison. Peter is thrown in prison. Après qu'on ait assassiné Jacques. After they had killed James. Et on avait vu que les Juifs étaient très heureux de savoir que Jacques est tué. And they saw that it pleased the Jewish to know that James has been killed. Hérode a dit. And Herod said. Donc le peuple aime ça. So the people love it. Il a fait arrêter Pierre. So he arrested Peter. Comme c'était les préparations de la Pâque, il dit après la Pâque on va résoudre son problème. As they were preparing for Easter, they say after Easter we are going to solve his problem. La parole de Dieu dit. The word of God says. Et voici un ange du Seigneur. Suddenly an angel of the Lord. Survint. Appeared. Et une lumière brilla.
dans and la the prison. Light shone in the cell. L'ange réveilla Pierre. The angel woke up Peter. En le frappant au côté. He struck Peter on the side. Et en disant. And woke him up. Lève-toi promptement. Quick, get up. Les chaînes tombèrent de ses mains. He said, and the chains fell off Peter's wrists. Jésus Christ. Jesus Christ. Vous voyez? You see? Il a touché seulement. He just touched him. Lève-toi. Stand promptement. Up. Get up quick. Les chaînes sont tombées. And the chains fell off. Ça s'accomplit dans ta vie. It will come to pass in your life. Lève-toi promptement. Stand up quick. Au même instant, les chaînes sont brisées. Instantly, the chains were broken. Il n'a pas parlé aux chaînes. He didn't speak to the chains. Il a dit à Pierre, lève-toi promptement. He told Peter, get up quick. Il n'a même pas eu le temps de dire que je suis lié. He didn't even have time to say, but I'm bound. Les chaînes sont tombées. The chains fell off. Tu ne seras plus le même. You will never be the same again. Dis Seigneur. Say Lord. Que dans chaque prison. In each prison. Il y ait ce miracle. Let there be this miracle. Lève-toi promptement. Get up quick. Les chaînes tombèrent de ses mains. And the chains fell from his wrist. C'est ce qui va se passer. This is what is going to happen. Partout où il y a une chaîne. Wherever there is a chain. Même si c'est une petite corde. Even if it is a tiny rope. Même si c'est plusieurs chaînes. Even if there are many chains. Le Seigneur qui te dit, viens. The Lord who is telling you, come. C'est très bien ce que les chaînes vont devenir. He knows very well what the chains will become. Tiens-toi debout. Stand up. Dis, Seigneur, s'il y a un seul frère. Say, Lord, if there is only one brother. Qui est couché dans une prison. Who is lying in a prison. À cause des oppressions. Because of oppressions. À cause de l'activité des oppresseurs. Because of the activities of the oppressors. Même si c'est un seul frère. Even if it's just one brother. Ordonne. Command. Qu'il sorte de là. That he comes out from there. Et que les chaînes et les liens soient brisés. And that the bonds and the ties be broken. Que ce qui est arrivé aux chaînes qui étaient dans les mains de Pierre arrive à toutes les chaînes ce soir. Let that which happened to the chains that was holding Peter, let it happen to other chains tonight. Dis Seigneur, nous voulons chacun libre, 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 libre. Libre. Free. Dis, et toi, mon ennemi. Say you, my enemy. Qui a toujours cru que je ne dois pas être libre. Who always thought that I should not be free. Je te juge. I judge you. Je te juge. I judge you. Je brise ces chaînes. I break those chains. Continue à prier. Keep praying. Dieu, au nom de Jésus. Que toutes les chaînes soient brisées. All the chains be broken. Brisées, 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 brisées. Broken, broken, broken. Brisées, brisées, brisées. Broken, broken. Brisées, brisées, brisées. Broken, broken. Brisées, brisées, brisées. Broken, broken, broken. Brisées, brisées, brisées. Broken, broken, broken. Que toutes les prisons soient cassées. Let all the prisons be broken.
Que toutes les prisons soient cassées. Let all the prisons be broken. Que toutes les prisons soient cassées. Let all the prisons be broken. Que tous les captifs sortent. And let all the captives come out. Que les captifs sortent. All the captives come out. Continue à prier. Keep praying. Nous libérons tous les captifs. 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 Continuez à prier. Écoute. Listen. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Nous venons au secours. Say we come to the rescue. De toute sœur. Of any sister. De tout frère. Or any brother. Qui après beaucoup de combats. Who after so many battles. A encore un mari de nuit dans sa vie. Still have a spirit husband in her life. Nous venons au secours de toutes sœurs, tous frères. We come to the rescue of any brother or sister. Qui a encore dans sa vie. Who still have in his life. Un mari de nuit. A spirit husband. Même si ce mari de nuit n'a jamais été combattu. Even if that spirit husband has never been defeated. Même si c'est quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir. Even if it's someone coming here for the first time. Même si c'est quelqu'un qui ne savait même pas qu'il y a des maris de nuit. Even if it's someone who didn't even know that they were spirit husbands. Nous levons nos mains. We lift up our hands. Nous te jugeons. We judge you. Nous te jugeons. We judge you. Et nous te chassons. And we cast you nous te away. Frappons. We strike nous te jugeons. We judge nous te chassons. Nous te frappons. Nous te jugeons. Nous te chassons. We cast nous te délogeons. Away. Partout où tu essaies de te cacher, nous te hide, poursuivons we et nous te délogeons. Nous t'envoyons le feu de Dieu. Il n'y a pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Nous brisons tes appuis. Nous brisons tes appuis. Nous cassons tes retranchements. Nous brisons ton secours. Nous dispersons tes renforts. Va-t'en. 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 Va-t'en.
Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Continue à prier. Keep praying. Ora baka sarga baka. Oro kaseka, koro kasera, kaseka. Ora bakaseke, oro kaseke. Yeri bakasede, karo bakasere. Ori ya glory, dal kaseme kate. Yete. Let them do what? Lift up your right hand. Dis que tous les captifs sortent. Ceux qui sont retenus dans les maisons, dans les prisons spirituelles, sortent. Tous ceux qui sont dans les prisons spirituelles, ils sortent. Continuez à prier. Goro Bakasakara. Continue à prier. Keep praying. Que rien ne reste debout. That nothing remains standing. Que ce qui doit être renversé soit renversé. That which has to be overthrown, be overthrown. Ce qui doit être cassé soit cassé. That which has to be broken, be broken. Que ce qui doit être brisé soit brisé. That which has to be shattered, be shattered. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be shattered. Que les chaînes soient rompues. Let the chains be broken. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be shattered. Que les prisons soient cassées. Let the prisons be broken. Que les prisons soient cassées. Let the prisons be broken. Que les tours soient renversées. Let the strong towers que les tours soient renversées. The strong towers be overthrown. Qu'il y ait le combat dans les eaux. Let the battles in the combat waters. Sous les eaux. Let the battles beneath the waters. Sous la terre. And the battles on the earth. Combats sous la terre. And the battles beneath the earth. Les combats dans le désert. And the battles in the wilderness. Les combats dans les forêts. And the battle in the forest. Qu'il y ait des combats dans les collines. Let there be battles in the hills. Les combats sous les collines. Let there be battles under the hills. Les combats dans les arbres. Let there be battles in the trees. Dans le sommet, dans les cimes des arbres. In the trees. Qu'il y ait des combats dans les racines des arbres. Let there be battles in the roots of the trees. Qu'il y ait des combats dans les cours familiales. Let there be battles in the family combats dans les cours avant, les cours arrière. In the front back, in the front yard and the backyard. Qu'il y ait des combats dans les chambres mystiques. Let there be battles in dans les dépôts de fétiches. In occultism rooms. Qu'il y ait des combats dans les cases des pitons. Let there be battles in qu'il y ait des combats dans les temples de pitons. Let there be battles in the qu'il y ait des combats dans les cases des crânes. Let there be battles in qu'il y ait des combats dans les tombes, dans les tombes. In the graves, in qu'il y ait des the combats graves. Dans les cimetières, dans les cimetières. In the cemeteries. Qu'il y ait des violents combats. Let there be violent battles. Que des multitudes soient libérées. Let there que les multitudes soient libérées. Let the multitude be set free. Que les enfants soient libérés. Let the children be set free. Que les enfants soient libérés. Let the children be set free. Que les bébés soient libérés. Let babies be set free. Même ceux qui sont, même les enfants dans le sein de leur mère soient even libérés. Those who are still in
in the womb of their mothers. Que tout acte d'enfouissement soit banni, 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 brisé, 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 brisé. Assieds-toi. Be seated. Va-t'en vite. Be gone quickly. Ora bagasarga bagasarga bagasarga. Tu es dépouillé, va-t'en. We take away every, we strip you of, be gone. Tu es dépouillé, va-t'en. You are stripped of, be gone. Garde le calme. Keep calm. Garde le calme. Keep calm. Le Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Ora baka sarga baka raka sarga baka. Ora baka sarga baka sarga baka. Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Les montagnes, sous les montagnes, in dans the les mountains, eaux, sous beneath les eaux. The mountains, in the waters, beneath the waters. Tu sens que tu as une alliance qui te sert. Tu dis, je t'enlève au nom de Jésus. If you feel that you have a ring, you remove it in the name of Jesus. Tu as une impression qu'il y a quelque chose à ton doigt. If you have an impression that there is something on your hand, on your finger. C'est un démon qui veut partir. It's a demon who is about to leave. C'est un mari de nuit qui veut partir. It's a spirit husband who wants to leave. Cette toux n'est pas normale. This cough is not normal. Va-t'en vite au nom de Jésus-Christ. Be gone quickly in the name of Jesus. Si tu t'appelles mari de nuit. If you are called spirit husband. C'est l'heure de ton départ. It is the time of your departure. Même si tu résistes, tu ne pourras rien. Even if you resist, you can do nothing. Va-t'en vite. Be gone quickly.
Nous jugeons tous les maris de nous qui sont des esprits de mort. We judge every spirit husband who are spirit of death. Spirit husband. Esprit de mort. Who is the spirit of a dead? Va-t'en vite. Be gone quickly. Va. Go. Marée de nuit, esprit de mort, va! Spirit husband, spirit of death, go! Marée de nuit, esprit de mort, va-t'en! Spirit husband, spirit of a dead, be gone! Marie de nuit, esprit de mort, va-t'en! Spirit husband, the spirit of a dead, be gone! Va-t'en vite! Be gone quickly! Marée de nuit, esprit de mort, va-t'en! Spirit husband, spirit of a dead, be gone! Je casse ton trône! I break your throne! Si tu as été adoré, if you were worshipped, si on t'adorait, if you were worshipped, avec des statuettes, with statues, ou des pains blancs, or white loincloth. Je te renverse. I overthrow you. Je te jette par terre. And I cast you on the Va-t'en. Ground. Be gone. Garde le calme. Keep calm. Garde le calme. Keep calm. Si tu es marié de nuit, esprit de serpent. If you are a spirit husband, the spirit of a snake, a serpentine spirit. Marié de nuit. Spirit husband. Esprit de serpent. A serpentine spirit. Tu es un marié de nuit, esprit de serpent. You are a spirit husband, a serpentine spirit. Tu peux te cacher sous l'eau. You can hide under the waters. Tu peux te cacher sur les arbres. You can hide under the trees. Tu peux te cacher sous les rochers. You can hide under the rocks. Tu peux te cacher dans la forêt. You can hide in the forest. Nous brisons. We break tout ton pouvoir. All your power. Ta colonne vertébrale. We break your spinal cord. Sors et va-t'en. Come out and go. Va-t'en.
Va-t'en, 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 va-t'en. Be gone, be gone. Ne t'arrête pas quelque part, va-t'en. Don't stop halfway, be gone. Ne réclame rien, va-t'en. Don't take anything, be gone. Tu ne réclame rien, va-t'en. Don't claim anything, be gone. Tu n'as rien à prendre, va-t'en. You have nothing to take along, be gone. Tu n'as rien à prendre, va-t'en. You have nothing to take along, be gone. Tu n'as rien de bon, va-t'en. You have nothing good, be gone. Gardez le calme. Keep calm. Si tu es un esprit des eaux. If you are a spirit of the waters. Avec l'adoration des eaux. And through the worship of the waters, tu as eu les captifs. You had captives. À travers le contact avec les eaux, through the contact with the waters, tu as eu des victimes. You had victims. Si quelqu'un s'était né au bord de la lagune, if someone was standing beside the stream, attendant la punaise, et tu l'as possédé, and you possess it, déclare que la personne est libre. I declare that the person is free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Tout esprit. Every spirit qui a suivi quelqu'un, who followed someone, parce qu'il était au bord de la lagune, because he was beside the waters, tu es jugé. You are judged. Va-t'en maintenant. Be gone right now. Lève ta main. Lift up your hand. Il faut que cette personne soit délivrée. Il y a quelqu'un qui a été envoûté au bord de la lagune. There's someone who has been bewitched beside the waters. Attendant la punaise. Un esprit l'a suivi jusqu'à ce jour. And a spirit followed her till this day. Nous te chassons. We cast you out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous te chassons. We cast you out. Nous te chassons, nous t'expulsons, nous arrachons la victime. We snatch the victim. Garde le calme. Keep calm. Prions Allah.
We judge any spirit husband. Bien esprit de masque. Who is the spirit of mask? L'adoration de masque. You who come from the worship of mask. Déclarons tes victimes libres. We declare that your victims are free. Libre, 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 libre. Free, free, free. Si tu es un esprit derrière une maladie. If you are a spirit behind a sickness. Quand on parle de mari de nuit, tu ne te sens pas concerné. And when we are praying, you don't feel concerned. Mais tu as suivi la personne. But you follow the person. Pour multiplier les maladies dans son corps. To multiply sicknesses in her body. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en. Because tu prends chaque maladie. You take every sickness. Toutes tes maladies. All your sicknesses. Les maux de genou, les maux de dos. The knee pains. Les maux de tête. Headache. Les maux d'yeux. Eye les pain. Les maux d'oreille. Prends tout, pain, tout, 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 tout. Carry everything. Prends tout et va-t'en. Take everything. Gardons le calme. Tenons-nous debout maintenant. Lève ta main droite. Raise your right hand. Et nous venons au secours. We come to the rescue. De tous les frères. Of all brethren. Ils rêvent souvent qu'ils sont dans la forêt.
We dream sometimes that you're in the forest. Nous les séparons de cette forêt. We separate them from the forest. S'il s'agit de toi-même, tu dis, je me sépare de cette forêt. If you are one concerned, say, I separate myself from this forest. Par le pouvoir du nom de Jésus. By the power of the name of Jesus. Je sors de cette forêt. I get out of this forest. Je déclare que je suis libre. I declare that I'm free. Si tu te vois toujours au village, dès que tu fermes les yeux, le village. If you see yourself always in the village, when you close your eyes, you are in the village. Au nom de Jésus. So in the name of Jesus. Je me sépare de ce village. I separate myself from this village. Esprit à mes corps. Esprit, je déclare que je suis libre. I declare that I'm free. Et je chasse tous les esprits. And I cast out every spirit. Tous les esprits qui me suivent. All the spirits that follow me. À cause du lien avec ce village. Because of the link with this village. Si c'est dans une maison, if it is in a house, casse et sors. Break and get out. Je brise toute maison. Say I break every house. Dans laquelle mon âme se trouve enfermée. In which my soul is imprisoned. Je déclare ma liberté. I declare my freedom. Asseyez-vous. Get seated. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis miracle de la guérison. Say miracle of healing. Accomplis ton œuvre en moi. Accomplish your work in me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, tu reçois ta guérison. You receive your healing in the name of Jesus. Si tu as mal à la colonne vertébrale, if you have a problem in your, c'est la vision que le Seigneur a montré s'accomplisse dans ta colonne. That your vision that the Lord showed you accomplish in your life. Ce sont une nouvelle colonne vertébrale. You receive a new organ. Ce sont une nouvelle colonne vertébrale. You receive a new one. Reçois une nouvelle colonne vertébrale. Receive a new one. Reçois une nouvelle colonne vertébrale. Receive a new one. Reçois une nouvelle colonne vertébrale. Receive a new one. Reçois une nouvelle colonne vertébrale. Receive a new one. Ota rabakasha, prie en langue. Pray in tongues. Ola bakasha rabakaha bakasha rabakaha. Ola bakasha rabakaha rabakaha. Ola bakasha rabakaha rabakaha.
Que tes articulations soient guéries au nom de Jésus. May your articulation be healed in the name of Jesus. Que tes genoux soient guéris au nom de Jésus. May your knees be healed in the name of Jesus. Que ton cou soit guéri au nom de Jésus. May your neck be healed in the name of Jesus. Que ton cou soit guéri au nom de Jésus. May your neck be healed in the name of Jesus. Que l'hémorroïde disparaisse. May hemorrhoids disappear in the name of Jesus. Disparaisse. Disappear. Que les maux de tête disparaissent. Que les fibromes disparaissent. The fibromes disappear in the name of Jesus. Disparaissent. Disappear. Disparaissent. Disappear. Disparaissent. Disappear. Que le mal de cœur disparaisse. Mais le heart attack disappear. Disparaisse. Disappear. Que ton foie soit guéri. May your lung be healed. Que ton foie soit guéri. May your lung be healed. Si je proclame que Jésus guérit. I proclaim that Jesus heals. Je proclame que Jésus guérit. I proclaim that Jesus. Je proclame que par ses maîtrises je suis guéri. I proclaim that by his wounds I'm healed. Je proclame que par les maîtrises de Christ je suis guéri. Proclaim that you are healed by his wounds. Par les maîtrises de Christ je suis guéri. By his wounds you are healed. Que toutes boules disparaissent. Que les boules disparaissent. Let every form disappear. Que les kystes disparaissent. Let every kyst disappear. Que les bosses disparaissent. Let every form disappear. Que les bosses disparaissent. Let every boss disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap one for Jesus. Qui a un témoignage? Tu viens. Who's got a testimony? Let him come now. Si tu as un témoignage, viens vite. If you have a testimony, let come now. Donnez le micro. Give him a microphone. Le micro. Venez vite. Let's come quickly. Gloire à Dieu. Je m'appelle Bikele Baudoroubert. Pendant que nous étions en train de prier tout à l'heure, quand je suis venu à la réunion, je me suis mal couché du côté gauche, dont le muscle de derrière me faisait vraiment mal. Mais pendant la prière tout à l'heure, vraiment, je me sens bien, je peux me courber,
Acclamation à Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai été guéri. Tu vas. Gloire à Dieu. Je suis le frère Josué Job. Je vous faisais disciple, le pasteur Cyprien Kwaku. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'une femme de nuit et d'esprit des eaux. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sarah Goyi et je faisais le disciple le pasteur Gazoua Jean-François de Grand-Laou. À Abidjan, je suis suivie par le pasteur Brigitte. Tout à l'heure, quand papa était en train de prier sur les kisses et les boules, j'avais une boule sur ma main. Une fois, j'étais en train de laver des habits et la boule a apparu jusqu'aujourd'hui. Ça peut faire pratiquement 5 à 6 mois. Et tout à l'heure, quand il priait, la boule a disparu. Gloire à Dieu. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a accordé la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis hier, j'ai été délivré d'un esprit démoniaque. Mais cet esprit m'empêchait de parler. Tout à l'heure, quand papa a commencé à prier, j'ai vu ma bouche avec une grosse langue dedans. Jésus me dit, je délie ta langue. Va parler de moi, va rendre témoignage que cet esprit n'existe plus dans ton corps. Je pouvais rendre témoignage dans la journée, mais il m'empêchait de parler. Donc, il me dit que je suis guéri. Va délivrer. Tu es évangéliste. Va parler de moi partout. Je rends gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap your hand for Jesus. La langue déliée et désenvoûtée. The tongue has been untied and gloire disbewitched. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kakoubi Fri d'Abraham et je faisais le disciple, le pasteur Koumena Abel. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a béni avec deux visions. Il faut dire, quand nous étions en train de prier pour demander pardon à Dieu pour notre famille, supplier sa grâce, il faut dire, j'ai eu une vision. Dans la vision, il y avait deux galettes dans un sachet blanc. Et la personne est venue, il a déposé devant moi. Et la personne est partie. Je vais lui dire merci pour ça. Et la deuxième vision, quand nous étions en train de prier pour les esprits des morts, j'ai vu un squelette qui est sorti et il est parti. Je vais lui dire infiniment, je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Annick Uébi, mon faisait des disciples, l'ancien Louis Olivier. Pendant que nous étions en train de prier, que papa a donné le sujet portant sur les personnes qui avaient des maris de nuit qui avaient résisté depuis longtemps et que ces personnes n'arrivaient pas à avoir la victoire jusqu'à présent. Pendant que nous étions en train d'insister, je me suis retrouvée face à un lit. C'était une chambre et c'était un lit bien dressé. Et ce lit représentait le lit de plusieurs couples. Et pendant qu'il disait qu'il y a des maris de nuit qui sont cachés, et le lit dressé tout d'un coup a commencé à se déranger, le drap. Il y avait des maris de nuit qui sortaient des draps. Certains sortaient du bas du lit. Il y avait des serpents parmi. Il y avait des enfants même qui faisaient quatre pattes. Il y avait des vieillards qui représentaient des maris de nuit qui étaient couchés comme morts. Mais pendant qu'on priait, c'est comme si on ressuscitait. Puis, ils sortaient de la chambre tout doucement, mais c'était tous des maris de nuit. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il nous a délivrés, même pour ceux qui n'ont pas connaissance qu'il y avait des maris de nuit. Et après cela, il y a eu des anges qui sont descendus dans ces chambres-là, qui ont commencé à casser, à détruire, parce que ces chambres représentaient des prisons. Et après cela, il y a eu des chambres qui sont sorties de terre, qui venaient de Dieu et qui sont apparues à la surface. Amen. Gloire à Dieu. Je suis Philomène Obou, d'ici du passé trahi. J'ai eu 3 visions, ou 4 même. Quand papa nous demandait de proclamer Jésus est grand, Jésus est grand, Jésus est grand, j'ai vu une scène. Un homme noir, grand de taille, était accompagné des gens. Et ils ont déposé une chaise. Et ils étaient en train de l'introniser. Ils n'ont même pas fini de l'introniser. Le feu est descendu du ciel et les a tous consumés. Et à la suite de ça, un véhicule est venu comme pour les sapeurs-pompiers, mais ça n'a pas la même couleur. Des gens sont descendus, puis ils ont commencé à nettoyer tout. Des gens en blanc, ils ont nettoyé. Et puis l'un d'entre eux tenait quelque chose comme du parfum. Il a parfumé partout. Ça, c'était la première vision. Gloire à Dieu. La deuxième vision, c'est des prisons qui étaient vidées.
les captifs sont sortis partout. Ils couraient, ils sortaient. Et il y a une prison qui m'a impressionné parce que là, la puissance de Dieu est descendue sur la prison. Et donc, je regardais la toiture. Il y a eu une ouverture. Et puis, j'ai vu une main qui tenait une épée. Et bizarrement, ce qui sortait, c'était des animaux. J'ai vu un chien sortir et l'épée l'a coupé en deux. Mais quand il est tombé, il est devenu un être humain qui est coupé. Et un chat est sorti aussi. L'épée l'a coupé en deux et est tombé ainsi de suite. Je regarde maintenant en bas, la prison est vide. Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu aussi un squelette humain, grand détail, qui sortait et le feu l'accompagnait. Quand il est arrivé hors du site, le feu l'a consumé sur la route là-bas. Gloire à Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of thanks to Jesus. Et quand papa a dit, il nous a dit de proclamer, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. J'ai vu un papillon sortir de ma tête. Et il n'est même pas encore arrivé quelque part, le feu l'a consumé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon nom c'est Kwadio Aou Rebecca Elsa Lor. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Ebenezer Yapo Kwami. Pendant qu'on priait, après qu'on a fini de se repentir des actes que nous et nos familles on a commis, j'ai une vision, c'est comme si j'ai vu un oiseau noir qui volait. Donc j'ai commencé à juger cet oiseau. Et cet oiseau est tombé. Lorsqu'elle est tombée, il s'est transformé en une femme, tout affaiblie. En même temps, je vois, j'ai commencé à la juger, et je vois de sa partie intime qui sort de l'argent en abondance. De l'argent en abondance qui sortait de sa partie intime. Donc je la jugeais et j'ai ramassé cet argent et je la jugeais et elle a disparu. Après ça encore, j'ai eu une autre vision où j'étais assise là et puis pendant que je chassais les esprits, je jugeais les esprits de Marie de nuit. C'est comme un serpent est sorti de ma partie intime et mon ventre qui me faisait mal s'est stoppé. Je n'ai plus eu les mots de vente. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu qui vient de me délivrer et qui vient de délivrer ma famille de la pauvreté. Amen. Je suis la sœur Kwadio Ayanare. Je viens d'ici, c'est la sœur Frédéric. Je voulais dire merci à Dieu. Hier, quand on priait, papa a exhorté sur la famille, les liens dont j'ai commencé à prier. Donc, quand je priais, et je demandais pardon pour Dieu, et maintenant, il y a une voix qui me disait que pourquoi tu veux prier pour ta famille? Pourquoi tu veux prier pour la famille? Que ça, là, c'est une histoire de famille, il ne faut pas parler de ça. Et je n'ai plus prié pour ça. Et aujourd'hui encore, papa parle sur le même sujet encore. Et j'ai commencé à demander pardon, j'ai commencé à vomir. Et la sœur est venue m'interpeller, c'est sort, on va aller prier pour toi. Et quand on priait pour moi, l'esprit a commencé à parler. Pourquoi elle vient parler de ça? Pourquoi elle vient parler de ça? Elle vient parler de ça? Elle veut dire quoi? Elle veut parler de ça? Elle est venue chercher quoi? Elle vient parler de ça. C'est depuis, elle-même, elle n'était pas encore née. Puis elle vient parler de ça. Que cette marque-là, on a mis ça depuis. Et je me suis souvenu, j'ai une marque en bas de mes pieds. Ma grand-sœur est décédée en 2022. Elle aussi, elle a cette marque en bas de ses pieds. Et mon oncle aussi, il a même ce marque en bas de ses pieds. Et j'ai demandé à mon oncle, il dit, ah ça là, ça veut dire quoi? Quand j'ai fait ma repentance et me suis baptisée, quand je fais des sons, j'oublie. Mon oncle est de l'œuvre. Et il a dit, ah, quand je fais des sons, j'oublie. Et il a prié pour moi. Et cette nuit qu'il a prié pour moi, j'ai fait un songe.
que j'étais arrêtée. Et une personne est venue vers moi. On prend pour faire. La personne a pris sa main. Il dit, toi là, il y a quelque chose en bas de tes pieds. Donne-moi tes pieds. Et j'ai tendu mes pieds. Il a pris la chose à ça. Tournait en bas de mes pieds et je voyais une vieille femme qui était en blanc avec une fourmi noire qui est sortie de mes pieds. Et c'est tout de suite là que je me suis rappelé de ce songe. Et maintenant que les frères ont prié pour moi, je ne voulais pas rendre témoignage. Et l'Esprit me dit, va rendre témoignage, tu es délivré. Quand je me suis arrêté ici, c'est maintenant que je me rappelle de ce songe. Je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Mimel Adoumeda et j'ai pour fidèle des disciples le pasteur Kwaku Konan Denis. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'envoûtement. Et il faut dire que je fais partie de l'équipe de l'évangélisation, d'évangélistes, et nous avons conduit les âmes à la repentance. Et lorsque la prière a commencé, je suis venu, nous sommes venus là, nous avons commencé la prière. Je me suis rendu compte que lorsque papa donne les prières, les sujets, et je n'arrive pas à combattre efficacement, je me suis rendu compte que j'étais devenu très lourd. Je ne pouvais même pas même tailler en pièces, frapper, juger. Et il faut dire aussi que je souffre, comme on appelle ça, je respire difficilement depuis longtemps. Et mais quand papa a lancé le sujet de désenvoûtement, J'ai senti quelque chose sortir à moi et tout d'un coup, j'ai commencé à bien respirer. Je me suis levé et j'ai commencé à vraiment combattre efficacement. Et je veux dire merci au Seigneur qui vient de me désenvoûter au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Anno Alvin. Depuis le matin, mon cœur me faisait mal. Et ce soir-là, quand papa dit tout ce que le cœur leur fait mal, qu'il soit guéri. En même temps, il n'a plus senti de douleur. Je voulais rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri. Acclamation. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur, mon Dieu, là, mon faisait de d'ici, c'est le frère Roche. Moi, je viens de Yakasimé. Moi, mon témoignage, il m'aurait dit merci à Dieu, lui qui m'a guéri des maux de tête. Que l'honneur, la gloire lui soit rendu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis la sœur Akanyouan Pulchéri. Et j'ai pour faire un disciple pasteur Méné Boniface. Le Seigneur vient de me délivrer d'une chaîne que j'avais au pied droit. J'étais à la maison un jour à la cuisine. Pendant que je faisais la cuisine, j'ai senti que j'avais une chaîne au pied. Je regarde mon pied, je ne vois pas. Mais il y a quelque chose au pied. Aïe. J'ai prié. Puis je suis revenu à la croisade. Ce soir-là, pendant qu'on brisait les chaînes, je me suis levé là-bas. J'ai prié avec papa. Et puis je suis revenu m'asseoir. Il a dit, asseyez-vous. Je me suis assise. Mon pied, j'ai senti qu'on a serré mon pied jusqu'à un pied où j'ai entendu. Pah! La chaîne s'est brisée. Je me dis, merci au Seigneur. Amen. Amen. Louange et gloire à notre Dieu. Je suis la sœur Lisette Lambeau-Andière. Mon faiseur de disciples, c'est Agathe Roland, Guadeloupe, et le pasteur Lévi à Abidjan. Je voulais rendre gloire au Seigneur ce soir, puisque quand le pasteur a prêché cet après-midi en disant que quand un membre de la famille se convertit et se repent, eh bien, la bénédiction tombe sur toute la famille. Et là, ça m'a fait un tic dans la tête, puisque hier, mes frères et sœurs, ma sœur aînée m'a annoncé son mariage. Elle chérissait ce vœu dans son cœur, ma sœur, de se marier, d'avoir des enfants. Eh bien, hier, elle m'a annoncé qu'au mois d'août prochain, elle va se marier. Merci, Seigneur. Et aussi, j'ai eu une vision. Quand le pasteur prêchait et disait qu'on délivre les captifs. À ce moment, j'ai vu des chaînes, de grosses chaînes, comme les chaînes des esclaves, mais au niveau de la tête, des chaînes qui se brisaient. Mais aussi, les chaînes étaient au niveau
des entrailles. Ce n'était pas le cœur, c'était vraiment des entrailles et ces chaînes étaient brisées. Et les troisièmes chaînes que j'ai vues briser étaient au niveau des jambes, des pieds. Les chaînes étaient totalement brisées, éparpillées. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nangoudoum Lorraine. Mon faisait de disciple, c'est le pasteur Meigné Boniface. Je voudrais bénir le Seigneur parce que tout à l'heure, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une vision. Nous étions là debout, les semeurs, et j'étais juste en haut. Il y a le pasteur missionnaire de San Pedro, le pasteur Kwao Emmanuel. Il est venu auprès de la sœur Colette Guépan. Il avait une liste entre ses mains et il lisait les noms devant la sœur Guépan. Il était tenu devant elle. Et pendant qu'il lisait les noms, il a lu les deux premiers noms. Et le troisième nom, c'était mon nom. Donc quand il a lu les deux premiers noms, la sœur n'a pas réagi. Et quand il est arrivé sur mon nom, il a demandé à la sœur, où est-elle? Et c'est comme ça, elle s'est retournée, elle m'a pointé du doigt comme ça en souriant. Et le pasteur Emmanuel Kwao, donc s'est retourné pour venir vers moi. Pendant qu'il venait vers moi, c'est là la vision s'est arrêtée. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Il faut croire que ce que tu as demandé pour ta famille a été accordé. You must believe that what you asked for your family has been granted. Envoie-leur des messages. Send them messages. Que la croisade continue. That the crusade is still on. Je prie pour vous. And I'm praying for you. Je prie pour notre famille. I'm praying for the family. Dieu a dit. God says. Il a exaucé. And granted. Ça, c'est la foi. This is faith. Tu mets la foi en pratique. Put your faith into practice. Tu ne dois pas prier avec incrédulité. You must not pray with incredulity. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Dis, je me plonge dans le sang de Jésus. I implore the blood of Jesus. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. Que tous les esprits chassés ne reviennent plus jamais. Let all the cast demons which have been chased be chased. Que la victoire soit protégée dans chaque vie. That the victory be in all life. Et toi, démon. And you, demon. On a chassé. That have been cast out. Ne te tais pas sur notre chemin. Don't stand on our way. Va pas à la maison. Don't go home. Touche pas à la voiture. Don't touch the car. Une moto. Don't touch a motorcycle. Même un tricycle. Don't touch the tricycle. Touche à rien. Nothing. Va pas au lieu de service. Don't go to the service. Va en ton lieu. Go to your place. Nous arrachons tout ce qui nous appartient. We snatch from you everything that belongs to us. Ce que tu as acquis par le vol, ou par la ruse, and by cunning, et le mensonge, and lies. Nous prenons tout. We take everything. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.